Eh bien, bonjour, bienvenue sur ObjectifMoto.com pour un nouvel essai. Nous sommes cette fois-ci chez BMW pour tester ce fameux scooter, le C600 Sport. Donc, il existe aussi en version GT, vous avez déjà vu sur le site. Donc, on a décidé, nous, de tester la version plus sportive, donc un carénage plus léger et plus discret que le GT. Une différence aussi sur les pose-pieds à l'arrière, pas de bulle électrique, mais néanmoins un réglage manuel sur ce scooter. Très agréable à utiliser, que ce soit sur les petits chemins, en ville, voire même sur autoroute, il n'y a aucun problème, il dépasse les 120 km/h sans souci, de bonnes accélérations, même à cette vitesse-là. Pour tout vous dire, on peut même dépasser les 160 km/h. Un système de freinage ABS, comme vous pouvez le voir. Une selle plutôt confortable, même si on a déjà vu plus confortable, mais rappelons-le, on n'est pas ici sur une version GT. Voilà, alors qui dit scooter dit forcément aspect pratique. Vous avez ici deux bacs, un plus petit côté droit, un plus grand côté gauche, avec à l'intérieur une prise 12 volts. Seul inconvénient, aucune des deux ne ferme à clé. Alors, sous la selle, vous avez une place déjà ici pour mettre un premier intégral, et si jamais vous avez vraiment besoin de plus de place, vous pouvez ici ouvrir la trappe. Voilà, vous avez donc ici largement assez de place pour en mettre un deuxième. Seul inconvénient, évidemment, interdit de rouler avec la trappe baissée. Il y a même une sécurité qui est prévue chez BMW pour vous empêcher. Tant que vous n'avez pas recliqué ici, le scooter ne démarrera pas. Le top case ici proposé est une option de chez BMW. Toujours au rayon des options, vous avez ici les phares LED pour la journée, poignée chauffante, selle chauffante et même cerise sur le gâteau, selle chauffante pour le passager avec deux positions. Il peut même tout régler lui-même sans aucun problème. BMW oblige, le compteur est plus que complet, donc forcément la vitesse. Un grand écran LCD, avec le régime moteur, on l'a déjà dit, sur un scooter, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Une jauge vraiment bien visible, plusieurs tripes. Et alors l'autre bouton, évidemment tout est commandable ici au guidon, vous donne la consommation, la date. Également le RDC qui est en option, le RDC c'est pour contrôler la pression de vos pneus. Température extérieure, la vitesse moyenne, vous voyez on n'a pas été trop méchant. Votre consommation moyenne, ici 5,7 litres, on tablerait probablement sur un petit peu moins, je dirais plus aux alentours des 5 litres, avoir la consommation instantanée que nous utilisons. Évidemment ici il fait la moyenne de tous ceux qui ont pu l'essayer avant. Ici de chaque côté vous retrouvez les réglages pour la bulle, en dessous les vide-poches, ici l'essence. Autre point intéressant, comme on avait pu faire la critique par exemple sur le X-Max 250, vous pouvez le voir ici, il y a largement assez de place pour mettre les bottes. Dépasser un petit peu sur le plancher, rien du tout sur le tablier, c'est très agréable, on est bien installé. On peut franchement faire les kilomètres sans aucun problème, le scooter gère tout ça de main de maître. Et voilà par exemple les feux de jour, à quoi ça peut bien ressembler.